Salut à tous YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo rapide qui va durer pas longtemps, 2 minutes, juste pour vous expliquer un petit peu. Il y a eu des changements au sein de Solary, donc pour ceux qui suivent uniquement sur YouTube, vous n'êtes pas forcément au courant. Mais en gros, maintenant, on va plus stream chacun sur nos chaînes. Je parle juste de la TV1. Chacun, on va stream sur nos chaînes perso. Donc, comme vous le voyez d'ailleurs sur le record, j'ai mes petites. Voilà, mes petites. Ma petite scène chez moi, etc. On va continuer de faire des lives sur Solary pour ce qui est émissions de groupe. Donc les grosses émissions telles que les castes e-sport, des émissions comme quand on faisait des quiz, qui veut gagner des millions, ce genre de choses. Tout ça, ça va continuer à être sur la TV1. Donc on va continuer de faire des primes sur la TV1. Ce sera pas tous les jours, ce sera tous les. Il n'y a pas de planning précis, mais ça va être bah, à chaque fois qu'il y a des castes e-sport et à chaque fois qu'on a envie de faire une émission, on va avoir envie de faire un truc quali, on va l'amener sur la TV. Et ensuite, chacun va voir ses streams sur sa propre chaîne. Donc, bah, si vous voulez me suivre sur Twitch maintenant, sur mes créneaux solo, ce sera plus sur Solary, mais ce sera sur ma chaîne qui est Qatar LOL. Je mettrai le lien dans la description. En tout cas, voilà, c'était pour vous prévenir. Et du coup, voilà, petit changement. Je reste toujours chez Solary, bien sûr. On reste tous chez Solary, juste que le format a un petit peu évolué. Le système de Web TV nous correspondait plus trop. J'en ai parlé bah, en stream déjà un peu plus profondément. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue là-dessus. Peut-être que je referai une vidéo plus tard pour YouTube si ça vous intéresse et que vous n'avez pas pu suivre sur Twitch. Mais là, voilà, c'était très succinct. J'ai envie de vous expliquer rapidement. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez que savoir quand je stream. Donc surtout Twitter et également Instagram. J'essaie de poster régulièrement dessus. Tout ça sera mis dans la description. Et je vous fais des bisous. Je vous donne rendez-vous sur mon Twitch dans 5 minutes. Ou voilà, à la prochaine. Enfin, je dis dans 5 minutes, mais moi je vais lancer dans 5 minutes. Je sais pas quand on va sortir la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch pour voir quand je suis en live. Je vous dis à la prochaine. Ciao! Faut que le temps que les gens arrivent aussi, la régularité, il faudra que les gens comprendront que ça y est sur chaîne solo et ça viendra tout seul. Oui, bien sûr. Il y a un truc que j'ai pas compris par rapport à Solary. Ouais, dis-moi tout. Enfin, pose-moi la question. La scène est pas la bonne. Bien sûr que la scène n'est pas la bonne. Ah, ça, faut que je m'habitue aussi à changer les scènes. Faudrait que je m'achète un stream deck. J'appuie sur le bouton. Si les gens s'abonnent que aux streamers et que Solary récupère rien, comment la chaîne peut continuer à vivre? Alors, faut savoir que Solary va moins payer les streamers. Mais du coup, les streamers reçoivent ce qu'ils gagnent sur Twitch. Par contre, Solary va vendre plus de stats au global. C'est l'objectif. Après, c'est un test, hein. On est là, on va voir ce que ça va se passer. Ça se trouve, c'est un flop, hein. Et dans 2 jours, Solary s'est fermé. Non, mais voilà, on est en train de tester, voir ce que ça va donner. Pour la TV, on pense que c'est la bonne solution pour la TV, et vu que bah, c'est la direction qui a été prise, il faut tout donner dans cette direction-là. Et voilà quoi. La start au Z! C'est dommage hein, que je puisse pas jouer le level 1. Hein. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'ils prennent pas l'aggro des creeps. Ok, une auto, c'est bien. Il m'a mis 100. Je crois que j'ai raté un creep mêlée d'XP. Lui, 0. Ok, parfait. Il a stun les creeps. Tout ce que je voulais. Oh non! Oh, le creep mage qui a la steed 2 creep que j'aurais pu avoir. Neuf quand même, hein, alors qu'il a raté les dégâts bruts.
Je pensais le tuer sur mon Z. En fait, elle aurait dû turn au moment où j'ai flush stun. Par contre, ce qui est bien, vraiment bien, c'est qu'avant le move, j'ai freeze la wave. Et du coup, la wave devrait pas être trop mal. Jusqu'à ce que les mêlés courent sous leur... se suicider sous la tour. Après, j'ai ma TP donc. On va essayer de balance cette wave. Non, les sponsors sont pas baisés, comment ça? Les sponsors, justement, ils y gagnent. Ah non, baissés, pardon, baisés, je... Ah non, non, ils vont pas, ils vont rien baisser du tout, les sponsors. Bon, il a réussi à freeze. Mais en viewer unique, il y aura beaucoup plus de gens, tu vois. Parce qu'en fait, un viewer unique sur deux streams, tu peux le vendre. Ça se trouve, c'est le même viewer, mais nous on le sait pas. Et tu vois, typiquement, vous êtes un sur mon stream, un sur stream de Tio. Au final, ça se vend comme deux viewers uniques qui regardent. Un sponsor. Alors qu'au fin. Oh, le mage a essayé de voler le canon. Heureusement, je l'ai eu. Mais au final, ça se vend, tu vois, comme deux. Comme deux viewers uniques, pardon. Je prends des sales trades. Hein. Bien joué à lui pour le fait d'être en 0-1. Derrière en stuff. Bon. S'il passe 6, je meurs. Qu'il est pas 6. Malheureusement, je dois back. C'est un très mauvais timing, mais j'ai pas le choix. Ça connaît dans le match-up. Tu perds, surtout depuis le buff de 7. Globalement. Mais si tu te fais gank, essaie de bien garder le stun fureur pour son shield, c'est très important. Parce que en solo, t'as pas les dégâts pour tuer 7, en 1v1, il te gagne. Après, une fois que si t'arrives à acheter la BRK avant lui, tu peux gagner, mais ça n'arrive jamais dans l'idée si ton adversaire joue aussi, enfin, aussi bien que toi, il gagne le match-up normalement. Je suis dans la merde. La wave est horrible. Vous voyez comment il me pète la gueule. Malgré le fait que j'ai pop 6 avant lui et que j'avais une wave de mon side. Il m'a mis deux autos. Mais je pense pas qu'il max Q en plus, si, vu les dégâts de son. C'est injouable. Ah, je peux pas jouer. Hein. Quoi? J'ai raté mon dash. Pourquoi il a essayé de dodge? Oh, il aurait pas dû essayer de dodge. Il meurt? S'il avait pas essayé de dodge, ok, il meurt. J'ai peur. S'il avait. Y'a plus d'arrow.
J'ai du flash, ça le sauve pas. Putain. J'ai essayé de le sauver. Instago next time. Bah sinon il me tuait moi quoi. Oh my bad, sorry. Je veux dire. Je pense que si. Je pense que je pouvais pas gommer. What? Faut que la wave il s'autour. Ok, parfait. On est even en CS malgré le freeze qu'il nous a mis dans les dents parce que Twitch a carry la game. Twitch c'est trop bien ce qu'il a fait pour moi. Après il s'est sacrifié au bot mais je pense qu'il sait qu'au bot c'est compliqué anyway. Du coup il s'est sacrifié. Ah mais c'était à la mid. Ok du coup il perd la wave canon. Le problème c'est que tour bot contre Heimerdinger tu la perds forcément en fait. Il a son flash maintenant. Ah dommage. Il est toujours là. Il a pas d'ulti hein. Tiens, il récupère son ulti. C'est parfait, Brandt. Si 7 vient pas top, c'est parfait. Solo bolo, c'était important. Faut prendre une plate. Parfait. Putain. Ok. Bon, j'ai forcé un flash. Dommage, j'aurais pas la BRK tout de suite du coup. Par si je vends. Ah, on a la potion chargeable. Ok, je force son flash. Je vais le timer. Ça marche plus. Ça ne marche plus, ok. Ça ne marche plus de contrôle C, contrôle V. J'ai pas vu s'il a ward. Ils ont toujours pas plié à la tourbotte, hein, les adversaires. Hein. Je sais pas où est Rumble. Est-ce qu'il faut pas max Z en deuxième maintenant d'ailleurs? Avec ce build, quelqu'un sait? Je crois que c'est eux toujours, mais je suis pas sûr à 100%. Je suis passé devant au CS. La dinguerie. Chape max et Z, ouais, mais. Putain, en fait, par réflexe, je max E. Je pense que je vais me mettre à max Z, mais. Je m'en chier de Rumble. Après, j'ai pas des rêves en même temps. Peut-être penser que j'ai back, le trade qui m'a mis. Fuck, j'ai raté un creep, c'est dommage ça. Il n'aura pas back. Je vais peut-être me prendre une arrow. Putain, je viens de me rendre compte là, j'ai essayé de maro depuis la bot lane tout à l'heure. Il a sa proto belt. Il a sa proto belt et son seeker à me guard. Eh, mais il est plus fit que moi. Hein. Waouh, ok.
Ok. Il va falloir de l'ARM. No air, no flash, no ignite, c'est tout ce que je peux te donner comme info. Et il est mort et il va pas mourir. S'il va mourir, ok, ça va. Ça veut dire on veut la vie d'un vrai top laner. Bah je pense pas que je... Ah peut-être je suis un peu au courant de ce qui se maxe sur Renekton, mais je suis pas sûr. Max Z sur Pro Build, ok. Alors attends, je lis ta question en speed. Non, de débarquer comme ça, je vous pose la question financièrement pour ce release, parce que comment les subs des chaînes perso sont centralisés? Non. Alors oui, la boîte paye un petit salaire aux streamers et ensuite les streamers tout ce qui est fait sur la chaîne des streamers en solo reste sur les streamers. Et voilà. Par contre, c'est trop chiant de pas OS les creeps, hein. Je les laisse tous à 1 HP. Enfin à 6 plutôt. Non, mais je n'ai pas de... Mais elle m'a bait là. C'était pas wardé. Très chiant Rumble, hein. Y a pas de... Caisse parfait en vrai. Ah, faut juste pas qu'elle se fasse burn. Mais frère, mais Rumble est cracopé en fait. Après, il a deux items, hein. Faut qu'il mette un portail et qu'il se barre là. Va faire des mercures. What the fuck, Rumble? C'est une dinguerie. Go jouer Rumble, mais Rumble c'est fort au mid en vrai. Au top, c'est pas ouf. En fait, au top, ça s'abuse trop facilement. Le problème, c'est que là, il est venu top, il avait déjà 3 items quoi. Enfin 3 items, 3 demi-items, il avait genre semi-proto belt et item armure. Là c'est déjà plusieurs abus. Mais Rumble avant le niveau 6, c'est très nul. Par contre ça snowball très vite. On se fait péter le cul par Rumble, donc Daimer en prévision. Ah dommage. Tant pis. Merci Glink pour ton sub. C'est bizarre parce que tu vois, j'étais à 1-1, il était à 2-3, je l'ai solo kill. Derrière, il est revenu avec une proto belt juste et il a commencé à me péter le cul. C'est une dinguerie comment ça s'est retourné le match-up. Juste pour avoir un peu de PD magique. Après, j'ai pas d'RM, hein. Entendons-nous bien, mais. Quand même. Cher pro leur clos et. Oh, pourquoi le creep va tout derrière là-bas? Veut pas que je le last hit. Quoi ça? Oh non, le Twitch. Ok. Ok, c'est bizarre comme portail de Bard. On a tellement pu fight. Bon, ça reste très worse, mais. J'aurais un flush. Est-ce que je fais un anti-heal avant la brawler? Ils ont quand même beaucoup de healing. Ouais, on fera. Non, on fera. On fera Prowler, anti-heal et Mo. Non, Prowler, ex-drinker, anti-heal, Mo. Death Dance, probablement. Content de la retour de la Shojin. J'ai pas pu faire trop de tests, mais de toute façon, après saison, je vais spam le jeu comme Jaja. Et en vrai, globalement, oui, je suis content, mais j'attends de voir.
ce que ça va donner in-game pour juger, tu vois, vraiment. La peine magique, quelle stat de fou. Ouais, c'est une stat de fou. Fasse gaffe. Oh, ils vont loin. Ok. Faut pas qu'ils aillent trop loin là. Est-ce qu'on peut jouer macro? Est-ce que vous pensez qu'ils vont jouer macro? Ils vont loin là. Ouais, bah ouais, mais parce qu'on 1 million de ping, ça suffit pas, frérot, c'est ça? Ils ont même pas le Twitch. Twitch a 13 kills. Bon, j'ai dit que je maxais Z en deuxième, j'ai pas du tout maxé en deuxième. Mais... c'est dommage. Ils font 1 pour 3 du coup là-dessus. Je vais l'aider pour le bleu. Mais c'est Lilia qui s'est fait catch et qui dit ça. Ah, j'aurais pu la catch. Je vais peut-être me prendre une arrow. Je vais acheter ma proleur. Faire gaffe à ça. Ok, maintenant on fait Exdrinker, Exdrinker, anti-heal. Oh, il a tout raté. Il a tout raté le bug. J'avoue que les bottes de peine physique. On va rentrer pour fight, je pense. Ou pas. Non! Ok. Ils peuvent gagner quand même. Oh, il focus les deux en même temps, c'est trop dommage. Oh, il a très mal joué le fight, le Yasuo. Sinon, on aurait gagné le fight. Ça reste ok, on fait 3 pour 3. J'ai encore mon flash. Et on s'est pris un combo de fou. Donc, faire 3 pour 3 dans le setup. Oh, il va les suicider. Oh, ça va alors. Il y a le Drake qui a joué. Heureusement, j'ai OS le aimer, ça c'est bien. Au final, j'ai pas pris l'ulti de Rumble. Hein. J'ai pris 36 dégâts de l'ulti de Rumble, c'est pas beaucoup. Heureusement, parce que je pense. Si moi aussi j'étais dans le combo de Jarvan qui s'est pris l'ulti de Rumble, la game était finie. On se faisait Ace, Drake, Nash. Très probablement. Ah, dommage, il s'est fait cancel son Q par le stun. Ok, nice mate. Pas content le Twitch. Pour l'aider. Oh, quoi? J'ai raté. Je prends la roue. Pour toi, mon pote. Faut que je le tue pour le Nash. C'est important de tuer le jungler pour pas qu'il y ait de chance de voler le Nash. Ok. Elle va vite, hein. Elle va très vite. On peut peut-être finir la game en fait. Oh. MG. Ah. Dommage, il a donné une escape. 10 secondes. Le stun était bon là. On va finir la game. Le mec qui ping le Nexus, c'est celui qui farm. Let's go. Ça grind. Une win encore.
J'honore le Twitch. J'ai bien aimé son move top quand je me faisais, j'étais en train de me faire baiser. Putain, je gagne 16 seulement.